Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon ami Capucine qui est aussi dans le club. Et aujourd'hui ce que nous allons faire, c'est que en fait il y a un concours dans pas très longtemps. Et moi vu qu'avec chance pour l'instant c'est pas encore super et que j'ose pas trop faire de concours avec lui, je vais faire avec Azur et peut-être Pépito, un poney et un cheval du club. Donc voilà, parce qu'ils sont très doux. Et du coup, aujourd'hui, on va un petit peu s'entraîner et on va peut-être faire un cours de crosse et je vais vous montrer les équipements que j'embarque au concours. Donc voilà, du coup, on va tout de suite commencer. Pour commencer, on leur met leur licol. Donc cette fois-ci, nous n'allons pas à la barre d'attache, mais je vais le préparer dans la douche parce que ça le stresse un peu de préparer la barre d'attache. Du coup, je vais le préparer à la douche. Capucine va le préparer après moi, donc voilà. Et juste, si vous voulez savoir le prénom de la jument de Capucine, c'est Sunshine. Donc là, si vous vous demandez quels équipements je mets, c'est ces équipements directement, j'ai pas pris les miens. Ensuite, on les emmène dehors pour monter sur avec les montoirs. Donc, il y a des petits tabourets où, par exemple, Capucine monte avec les bancs. Donc, du coup, là, après, on part à cheval jusqu'à la ferme de Marley. Donc, c'est une petite ferme à côté qui nous autorise à faire du saut là-bas. Et du coup, j'en profite pour vous dire un petit peu plus des chevaux. Donc, Sunshine est une jeune jument de 5 ans. Et Azur est un ancien cheval de CCE, donc il a 15 ou 16 ans, je sais plus. Du coup, le club l'a racheté parce qu'il était encore très bon à monter, donc voilà. Sunshine, la jument de Capucine, a voulu un petit peu faire la course avec Azur, mais bon, ça allait. Mais vu qu'elle n'aime pas trop la ville et tout ça, il y a eu quelques problèmes. Là, elle essayait de me dépasser un petit peu. J'ai essayé de m'éloigner un petit peu d'elle parce que néanmoins, il fallait faire attention. Et à un moment, je sais pas ce qu'elle a eu, elle s'est cabrée. Donc, plusieurs fois, du coup, j'ai un petit peu attendu. J'ai essayé de repartir, mais elle cabrait encore. Du coup, après, je me suis un petit peu reculée parce que je voulais pas qu'elle rentre dans Azur. Après, elle est repartie tranquillement et ça allait. J'ai essayé de tenir mes distances et puis voilà. On a commencé la détente, on a fait du pas, du trot et tout ça. J'essaie quand même de me tenir un petit peu loin de Sunshine parce que je sais qu'elle aime pas trop quand il y a des gens autour d'elle. Et après on allait faire un petit peu de saut et du coup voilà, donc je vous laisse avec la suite.
je vais vous laisser avec les images. Les entendre un peu Reine Longue dans le chant parce que bah le chant c'était que des mauvaises herbes donc ça allait donc du coup bah c'est ce qu'on a fait. Donc moi après j'ai laissé un petit peu Azur brouter mais il était surtout très regardant. Après, vu que les chevaux étaient assez agités, eh bien on les a rentrés au trot. J'ai pris Scotty, un jeune étalon du club, pour vous montrer mon équipement de concours. Donc ce ne sera pas lui que je montrerai, mais je vous montre sur lui parce que j'avais envie, voilà. Donc du coup voilà, donc il est marron et blanc. Et moi j'ai à peu près la même couleur, mais ça ce sera l'objet d'une nouvelle de la prochaine vidéo de mon concours. Donc ce sera une surprise. Donc voilà, donc là on va aller chercher chance et tout ça pour faire le cours de cross. Donc là, vu qu'on passait par le ranch Starshine et qu'il y avait une énorme carrière, du coup on a fait la détente dedans. Moi du coup j'avais chance et Capucine a gardé Sunshine. Donc je vous laisse avec la petite vidéo de la détente. Il y avait une petite carrière appelée la carrière de sable de Silverglade et il y avait des petits ballots de paille, on va dire, où on pouvait sauter par-dessus. Donc vu qu'on avait déjà fait la détente au pas trop galop, bah là on a fait notre petite détente au saut là-bas.
ensuite on a commencé le cours. Donc ensuite on a essayé de faire un petit parcours, mais il y avait un pont, il était cassé, du coup il y avait des planches par terre et Chance en avait peur. Du coup il s'est cabré plusieurs fois, il a beaucoup reculé, j'ai essayé de l'inciter beaucoup et à un moment il y est allé. Cette vidéo, la prochaine vidéo ce sera la vidéo du concours, le fameux, et du coup on vous fait toutes les deux plein de gros bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Bye.